Bonjour les amis, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pourquoi utiliser l'huile de coco? Je sais que beaucoup d'entre vous, quand on leur parle de l'huile de coco, vont penser tout simplement aux soins pour les cheveux ou alors à la cuisine. Vous n'avez pas tort, mais il y a aussi bien d'autres façons de l'utiliser et donc on va toutes les énumérer. Donc on va commencer déjà par les cheveux, donc comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça va protéger et apaiser la chevelure. Ça va également nourrir en profondeur le cheveu et favoriser la pousse. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. C'est aussi très fréquemment utilisé pour la peau puisque c'est un hydratant naturel très puissant. C'est aussi un soin anti-vergeture, ça vous voyez, je ne savais pas. Donc c'est génial pour tout ce qui est petits bobos et cicatrices. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage parce que c'est un anti-rides efficace. Donc bon, moi j'utilise beaucoup en hydratant. Là je sais que je brille, c'est parce que j'en ai mis. Voilà, j'ai les yeux très, très irrités, très brûlés. Donc je l'ai mis déjà pour les yeux. Donc pour les lèvres gercées, donc pareil, c'est génial. Et pour lutter contre les cernes, donc mesdemoiselles, si vous avez des cernes, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est aussi génial en bain de bouche, puisque c'est un effet blanchissant, antibactérien, et ça vous permettra d'avoir une haleine fraîche. Franchement, je ne savais pas tout ça. Quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée là-dessus, j'ai dit, mais en fait, c'est le produit à toujours avoir sur soi. Donc comme je vous l'ai dit évidemment pour la cuisine, donc c'est idéal pour frire. Donc c'est une huile végétale bonne pour la santé. Et forcément, bah, pour tous ceux qui aiment les petits goûts des îles, bah, c'est l'ingrédient qu'il vous faut. Mais aussi, et ça je n'en avais mais vraiment, vraiment jamais entendu parler, on peut l'utiliser en déodorant ou en démaquillant. Ça vous reviendra beaucoup moins cher qu'un démaquillant. C'est naturel, ça va en même temps hydrater votre peau. Donc, c'est vraiment bonus. Maintenant, on sait tous que l'été arrive. Qui dit été, dit forcément coup de soleil. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes un bourrin, vous y allez sans forcément mettre de la protection solaire, eh bien, vous pouvez utiliser l'huile de coco, étant donné que ça va protéger 30% des rayons UV. Donc, voilà, vous n'avez pas votre crème solaire avec vous, pas de souci, utilisez votre noix de coco. Donc voilà, bah écoutez, si cette petite vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre des pouces, à laisser des commentaires. Je ne vous ai pas tout énuméré en ce qui concerne l'huile de coco, il y a encore bien d'autres utilisations. Donc si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo, bah n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.